Salut à tous les amis, dans cette vidéo nous sommes sur Brawl Stars, mais non, je ne suis pas sur tablette ni sur téléphone, mais comme vous pouvez le voir grâce à ma souris, je suis sur PC, et c'est d'ailleurs ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo. Donc si vous voulez jouer sur PC, vous avez juste à suivre ce tutoriel. Alors là je vais faire une petite partie pour vous montrer un petit peu, j'ai lancé un survivant en solo. Pour pouvoir jouer justement à la manette, ce que vous aussi vous pouvez faire d'ailleurs. Donc si vous n'avez pas encore manette, vous pouvez brancher votre manette sur votre PC, bien sûr quand vous aurez suivi ce tuto. Attention, il y a Jackie. Jackie s'est fait tuer par une fleur. La fleur elle est morte. La fleur elle a fané. Le ricochet il peut être fatal des fois. D'accord, mais on s'en fout de tuer si je comprends bien. Bon voilà, on va rester là pour ce gameplay. On passe tout de suite au tuto. Alors nous voilà sur le site. Alors faites attention, il y a plusieurs fakes qui vont peut-être vous télécharger des virus. Du coup, si vous voulez être sûr, vous pouvez prendre le lien qui est dans la description. Vous allez appuyer sur télécharger BlueStacks, donc qui est un émulateur pour pouvoir jouer au jeu Android sur PC. Donc vous allez le télécharger. Après, ça va vous télécharger un fichier .exe. Vous allez l'ouvrir, enfin, comme un fichier .exe normal. Vous allez l'installer sur votre ordinateur. Et une fois que vous l'aurez installé, vous allez pouvoir arriver dans une page qui est celle-là. Alors, une fois que vous aurez téléchargé l'application, vous allez arriver sur cette page. Bon, vous n'aurez pas Brawl Stars, c'est juste parce que moi, je l'ai installé. Vous allez ouvrir le Play Store. Alors, au début, ils vont vous demander de vous connecter à un compte. Donc, vous pouvez vous en créer un ou justement vous connecter à un qui existe déjà. Vous allez rechercher l'application que vous voulez installer. Donc, moi, en l'occurrence, Brawl Stars. On peut rechercher aussi avec le clavier. Vous allez appuyer sur Installer. Alors, peut-être qu'ils vont vous demander un moyen de paiement, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, ils m'avaient demandé un moyen de paiement, mais je ne l'ai pas mis. Et j'ai quand même pu l'installer. Donc, une fois que vous aurez installé l'application, enfin, Brawl Stars, justement, vous allez pouvoir l'ouvrir en appuyant sur le bouton ouvrir, bien sûr. Et là, ça va être comme si vous étiez sur téléphone ou tablette. Vous allez arriver sur le menu. Alors, vous allez au début arriver sur le didacticiel, donc comme si vous étiez un nouveau joueur. Mais si jamais vous avez un compte Supercell ID, donc vous pourrez vous connecter à votre compte et continuer votre progression depuis le téléphone jusqu'au PC. Alors, en dehors de Brawl Stars, vous pourrez retrouver plein d'autres applications. Donc grâce à cette application, vous ne pouvez pas installer que Brawl Stars, vous pouvez installer n'importe quoi. Même, vous voyez là, Discord, vous pouvez installer Discord. Bon, si jamais vous l'avez déjà installé en version normale, ça va servir un petit peu à rien. Mais voilà, vous pouvez installer n'importe quelle application qui existe sur téléphone. Admettons, je peux rechercher Minecraft. Et là, bon, j'ai même des fakes de Minecraft, vous voyez. Et j'ai laissé gratuit de Minecraft. Bon, alors, je sais pas trop comment ça marche. Vous pouvez le faire avec la manette. Et eh bien vous savez quoi, on va essayer de l'installer, l'essai gratuit de Minecraft. Alors ça vient de s'installer, je vais tout de suite l'ouvrir, on va voir ce à quoi ça ressemble. Waouh. J'ai hâte de voir comment ça marche. Ouais. Super. Alors, je vais essayer de créer un monde. Ça lag un petit peu, hein. Je vais remarquer. Mais en vrai, ça va. Ah, créatif. Acheter Minecraft. Non, j'ai pas envie, du coup, je vais faire en survie. Oh mon dieu. Alors, pour taper, c'est le même contrôle. Oh mon dieu, ils m'apprennent comment jouer à Minecraft. Ça marche donc avec manette. Donc... D'accord, je vais commencer d'essayer. OMG, je peux casser des blocs. Pour remplacer, c'est pareil. Ouais, du coup, vous pouvez jouer à la manette, c'est le même contrôle. Donc, si jamais vous l'avez sur téléphone, par exemple, moi, je l'ai sur téléphone, Minecraft, vous pouvez y jouer, justement, sans rien payer de plus, sur PC, en installant un émulateur, comme celui que je viens de vous montrer. Ça permet de jouer avec une manette sur un grand écran. Et d'ailleurs, si vous vous demandez s'il y a un risque de bannissement, donc de Brawl Stars ou de quelconque autre jeu, je vous répondrai, non, c'est totalement légal. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous aurais montré comment installer Brawl Stars et autres jeux mobiles sur PC.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.